matin, je voudrais vous parler d'une chose, frères et sœurs. Tout le monde va bien? Amen. Is everybody doing well? Je résonne un peu ou pas? Ça va? Ok. J'ai un thème ce matin de la part du Seigneur. I have a specific theme in the message that God's given me for you today. Nouvelles outres. New wineskins. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ou à ta voisine nouvelle outre? Tell your neighbor you're going to be a new wineskin. Nouvelle outre. Nouvelle outre. Il comprend rien pour l'instant, mais c'est pas grave. Dis-lui nouvelle outre. He might not even understand what you're saying, but that's what we're going to do anyway. Amen. Matthieu 9, 17. Let's start by looking in Matthew chapter 9, verse 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et l'ensemble se conserve. Amen. So you see, new wine is put into fresh wineskins and both are preserved. Amen. Amen. Vous savez, hier quand j'ai cherché la face de Dieu, Dieu a mis un fardeau mais énorme sur mon cœur. Yesterday, as I was seeking the Lord, He placed a huge burden on my heart. Et il y a certains messages, vous savez, qui ne sont pas faciles à porter. And sometimes God entrusts to us a message that's not always easy to share with others. Et parfois, quand Dieu dépose vraiment un fardeau, mais dans votre cœur, parfois ça peut être terrible. But sometimes when God gives you a burden for something, it can weigh so heavily upon you. Et le fardeau du Seigneur, vous savez quel est-il? And you know, the burden of the Lord, brothers and sisters. Il y avait une souffrance dans le cœur de Jésus à cause de la division de son corps et de son Église. I felt there was such a suffering in the heart of Jesus because of the division in the body of Christ. Le cœur du Seigneur souffrait tellement. Hier matin, j'avais des larmes en permanence et pendant toute la journée, c'était un véritable fardeau. The heart of God was so grieved by division that almost all morning yesterday, I was in tears. Parce que Jésus se rend compte à quel point sa maison est divisée. Because Jesus realized to what extent his house is divided. Or, il a payé un prix énorme. But he paid a huge price for our unity. Il a payé le plus grand des prix, il a donné sa vie. He gave the greatest gift he could ever give. He gave his life for us. Jésus a tout donné. Jesus gave everything. Il a tout donné, il n'a rien retenu. He held nothing back, he gave everything. Il a été cloué au bois presque nu devant le monde entier. He was nailed to the cross almost totally naked before the entire world. Il a supporté l'humiliation pour vous, pour moi. He endured such humiliation for you and for me. Et ce qu'il a donné, on ne peut pas donner au-delà. Vous ne pouvez pas donner plus que votre propre vie. No human being can give more than what Jesus gave. Lui, il a donné tout ce qu'il avait. He gave everything he had. Il a abandonné sa gloire céleste. He gave up his royal position. Il a abandonné tous ses attributs célestes. He gave up all of his divine attributes. Pour toi, pour moi. For you and for me. Il a payé le prix pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nos péchés soient pardonnés. He paid such a price for our sins to be forgiven and for us to obtain eternal life. Il a accepté d'être humilié. He accepted such humiliation. Quand il s'est retrouvé devant le Sanhédrin ou devant Pilate, frères et sœurs, on giflait Jésus, on donnait des coups de poing à Jésus. When Jesus came before the Sanhedrin and before Pontius Pilate, they whipped him, they hurt his body. On crachait sur notre Seigneur. They spit upon him. On lui mettait une couronne d'épines et on se moquait de lui. Prophétise, puisque tu sais prophétiser. They even mocked him, saying, "You should prophesy because you're supposed to be that great prophet." Mais il n'a pas bronché. But he did not give up. On l'a flagellé avec des fouets qui avaient des pointes en ferraille. Il a tout accepté pour nous. They took a whip that had iron nails and whipped his back 39 times. Frères et sœurs, le Fils de Dieu. This is the Son of God. Je ne vous parle pas d'un homme quelconque. Je vous parle du Fils de Dieu. I'm not just talking about any human being. I'm talking about the Son of God. Du Fils de Dieu. The Son of God Most High.
Il a accepté d'être dans le ventre d'une femme humaine pour toi, pour moi. He accepted this weak physical body to come in human form to the earth for you and me. Il a accepté d'être dépendant d'un être humain mortel pour sa survie. To be depending on mortal human beings. Pour sa subsistance. For his very survival. Un bébé entre les mains d'une femme. He even had his came forth through the hands of a woman. Qui était dépendant, fallait que cette femme le nourrisse pour qu'il puisse grandir. He was depending upon a woman to feed him, to nourish him, so that he would grow as a child. Je parle du Fils de Dieu. I am talking Je parle about du Fils de the Dieu. Son of God. Je parle du Fils the de Son Dieu. Of God. Il a accepté toute cette souffrance pour nous. He accepted this horrible suffering for you. Il a accepté la pire des morts que l'on pouvait infliger à un homme à l'époque. He accepted the worst possible kind of death that any human being could experience. Parce que sachez que quand on était citoyen romain, c'était une grâce d'être décapité. You know, in the Roman Empire days, it was actually uncommon to be decapitated. Quand vous étiez citoyen romain, vous ne deviez pas souffrir. Donc on optait pour la décapitation parce qu'on estimait qu'il n'y avait pas de souffrance. Unless you were a Roman citizen. In that case, Roman citizens were decapitated because it was a quick death with no suffering. Mais quand vous étiez une personne quelconque, quand vous étiez un brigand, however, if you were a thief, on vous infligeait la pire des morts. They would always make the worst possible death as your punishment. Celle où on est sûr que vous allez réellement souffrir. They wanted to make sure that the worst criminals would suffer the most. Celle où on est sûr que votre souffrance et votre mort sera vraiment très lente. They wanted to make sure that the death was a slow, painful process. Celle où on est sûr que vous allez avoir le temps de regretter ce qui vous a amené à la croix. They wanted to make sure that a criminal would have the time to regret what he did. Et le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, a été crucifié entre deux brigands. The Son of God was crucified between two thieves. Ça veut dire qu'on ne l'a pas considéré plus que ces deux brigands. That means he was not considered as more important than the two thieves. Mais même ça, il a accepté. And even that punishment. Et même au moment où on était en train de le transpercer. The time when they pierced his side. Même au moment où ses bourreaux étaient en train de le clouer au bois. When they nailed his hands and his feet. Même au moment où chaque clou pénétrait ses pieds et ses mains. When they pierced his feet with a nail. Il avait encore la force par la puissance de son amour de dire Père, mais pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. He found the power by the love of God to say Father, forgive them because Père, they don't know what they're doing. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Father, forgive them. They don't know what they're doing. Voilà le prix qu'il a payé. That is the price that he paid. Et ensuite, il est allé en enfer, il est parti prendre la clé de la mort et du séjour des morts pour toi, pour moi. After his death, he descended into hell and he grabbed the keys of sin and death. Et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. And the third day, he rose again from the dead. Afin que un jour, comme lui, nous soyons ressuscités parce qu'il est les prémices. So that one day you and I would be able to raise from the dead because he was the first fruit. Il a terrassé la mort, frères et sœurs, pour que vous et moi, nous n'ayons plus la possibilité de mourir. He conquered sin and death so that you and I would no longer have to be subject to death. Il a vaincu même la mort pour nous. He conquered death for you and me. Et il est parti nous préparer une place dans le ciel. And then he went to prepare a place for us in heaven. C'est pour ça qu'il a dit ne vous troublez pas. Là où je suis, vous y serez aussi. That's why it says in the Bible, don't be afraid. Parce qu'il y a beaucoup de place dans la maison de mon père. I will go to my father. Et il est parti personnellement préparer lui-même. Il a dit je vous préparerai une place. And he said to his people, I'm preparing a place for you by my father's side. Ce que le Seigneur a fait pour nous n'a pas de prix. What the Lord Jesus did for you and me is beyond our imagination. Le prix qu'il a payé. Quand Pilate lui disait, mais comment se fait-il que tu ne réagis pas? The price that he paid. How is it that when you realize this, you don't react? Mais tu ne sais pas qui je suis. Je suis capable de te faire libérer. Don't you know that Jesus is able to raise you up? Jésus a dit se dire, mais pauvre Pilate.
Pauvre Pilate. Oh my goodness. Est-ce que tu sais qu'il suffit que je donne un ordre à mon Père céleste et il y a des légions d'anges qui viendraient me délivrer à l'instant même. Jesus even said to him, you know, if I were to call my heavenly Father, he would send legions of angels to save me. Tu ne sais même pas Pilate que si tu es là, c'est par la volonté et l'autorité de mon Père. Don't you know, Pilate, that if I'm going through this, it's because of my love for humanity. Mais même à ce moment-là, il a accepté. Il a refusé d'être délivré par l'armée céleste. Jesus, even at that very moment, refused to bow pour his toi, knee. Pour moi. For you and for me. Pour toi, pour moi. For you and for me. Alors quand ce Seigneur, frères et sœurs, quand ce Seigneur souffre dans son cœur de nos divisions, il y a un problème. So brothers and sisters, when our Lord Jesus is suffering and grieved in his heart because of division, there's a problem. Parce qu'il a tout donné. Because he gave everything. Parce qu'il a tout fait. He did everything. Et notre Seigneur, la dernière chose qu'il mérite, c'est qu'on puisse le crucifier une seconde fois à la croix du calvaire. And the worst thing that could happen to him is to be crucified a second time on the cross of Calvary. Or, chaque péché est un nouveau clou qu'on enfonce dans sa chair. But every sin that is committed is like nailing another nail into his flesh. Chaque division est un clou qu'on enfonce de nouveau dans ses pieds. Every division in his church is like nailing another nail into his hands and feet. Chaque fois que nous décidons de faire notre volonté, d'abandonner sa volonté, c'est encore une lance qu'on vient transpercer sur son côté. Every time you and I choose to do our own will instead of his will, it's like a spear is going into his side again. Donc le Seigneur souffre pour son Église. The Lord is suffering for his church. Et nous devons prendre conscience, nous devons nous réveiller, frères et sœurs. And we need to be aware of this and wake up. L'Église du Seigneur doit se réveiller. The Church of Jesus Christ needs to wake up. Et vous savez pourquoi nous tombons dans ces travers? Do you know why we fall into this trap? Parce que nos outres sont usées. Simply because we're still using old wineskins. Les outres que nous sommes, les outres sont usés. The wineskins that we are, they're just old and worn out. Usés par l'amertume. Worn out from usés bitterness. Par le manque de pardon. Worn out from usés par l'hypocrisie. Worn out from hypocrisy. Usés par la division. Worn out from division. Usés par l'incapacité de pardonner. Worn out from resentment. Usé par l'incapacité de marcher ensemble, même si on ne pense pas la même chose. Worn out from not walking together in the same direction. Usé par nos égoïsmes. Worn out by selfishness. Usé par notre orgueil. Worn out by pride. Usé par notre vanité. Worn out by our self-centeredness. Usé par le désir de vouloir simplement nous mettre au centre de notre projet. Worn out by putting our own selfish desires in the center of our will. Alors que Jésus veut être au centre de notre projet. Jesus wants to be the center. Alors qu'il veut être au centre de notre vie. The center of everything. Alors qu'il veut être au centre de nos désirs. The center of our lives and our desires. Alors qu'il veut être au centre de son Église. He wants to be in the center of his church. Mais nous sommes usés par toutes ces choses charnelles. But we are worn out by every single thing that we let come into our hearts. Usés par nos disputes, usés par nos querelles, usés par nos mensonges. From our fights and our conflicts and the lies that we believe. Usés de ce que nous déchirons les uns les autres. Worn out from tearing each other apart. Et voilà pourquoi le cœur du Seigneur est dans une grande souffrance. That is why the heart of the Lord is suffering for his people. Usé par notre incapacité à vouloir passer par le chemin étroit. We're worn out because we haven't chosen to walk on the straight and narrow path. Usé par notre désir de tout vouloir prendre le grand boulevard qui est facile, alors qu'il dit prends le chemin étroit et resserré. We're worn out because we choose to take the wide boulevard, the wide road, rather than the straight and narrow path. Dans Matthieu 7, vous verrez, Jésus dit, 13 et 14, que le chemin qui mène à la vie, il est étroit et resserré. Matthew 7, Jesus said to us, make your choice to walk on that straight and narrow path. Et le mot resserré, c'est le mot tilbo, T-H-L-I-B-O, tilbo. The word narrow that describes the path is the word table. C'est la même racine que tribulation. It's actually the same root word as the word tribulation. Donc,
usés par notre incapacité à accepter de passer par Tilbo pour entrer dans notre destinée. So we're worn out because of our inability to take the straight and narrow path, the path of tribulation. Usés parce que nous ne comprenons pas que le chemin de notre vie, de la destinée, du plan divin passe par Tilbo. We are worn out because we haven't understood yet that our whole destiny depends on our choice of the straight and narrow path. Il passe par un chemin étroit, un chemin où il y a de la bataille, où il y a des combats, où il y a des épreuves, où on laisse des marques. The straight and narrow path means the path of conflict and combat and spiritual warfare. C'est pour ça que ce chemin, il est resserré, il est tilbo. That's why it's a narrow path. Il est rempli de tribulations. Because it's a path of tribulation. Il est rempli de défis où à chaque fois nous devons faire des choix. It is a path where we have to make very specific choices. Il est rempli de tentations où à chaque fois nous devons dire est-ce que j'obéis à Dieu ou est-ce que je cède à la tentation. It is filled with temptations and traps and where we have to decide are we going to yield to them or follow God. Usé parce que nous avons un déficit de poids spirituel. We are worn out because we are lacking spiritual weight in our lives. Vous savez, dans Jean 16, 12, à un moment donné, in John chapter 16 and verse 12, quand Jésus parlait du Saint-Esprit, il a dit à ses disciples, il y a beaucoup d'autres choses que j'aimerais vous donner. Jesus said to his disciples, speaking about the Holy Spirit, there are so many other things that I want to share with you. Mais vous n'êtes pas encore assez prêts. Vous n'êtes pas prêts pour les recevoir. But you're not ready to receive them yet. Et ce que Jésus dit textuellement, c'est que vous n'êtes pas assez lourds. What Jesus is saying through that to us today is dit, we're not heavy enough. Vous manquez de poids pour porter la charge de ce que je veux déposer sur vous. We're not ready, we're not heavy enough to carry the weight of what he wants to entrust. Il dit, vous n'avez pas les muscles spirituels suffisamment solides pour que je libère cette révélation sur vous maintenant. He's saying our spiritual muscles have to be strong enough so that he can give us these heavier things from heaven. Et quand Paul est arrivé à l'église de Corinthe, and when Paul spoke to the church at Corinth, il leur a dit au milieu des divisions qu'ils vivaient. He had to correct the people because they were full of division. Au milieu du péché qui régnait à l'église de Corinthe. Full of sin that was reigning in their midst. Beaucoup d'apparence puisqu'il y avait des dons spirituels. There was a semblance of spirituality because of the gift. Beaucoup d'apparence puisque c'est là où nous parlons de tous les dons dans 1 Corinthiens 12 du Saint-Esprit. That was the church where he was talking about all the gifts of the Holy Spirit. Et pourtant Paul trouve ici, il trouve certains qui disent moi je suis de Céphas, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Jésus, moi je suis de etc. However, Paul had to bring correction to that church because of the selfishness and everybody taking sides. Et le Seigneur dit mais est-ce qu'un seul d'entre eux est mort pour vous? And he challenged them, saying, "Is any one of you qualified? Did anybody else give their life?" Et Jésus dit, "La seule chose que je veux discerner parmi vous, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié." Paul said, "The only thing I want to discern in your midst is Jesus Christ and Him crucified." Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jesus Christ and Jesus crucified. Ce que je veux voir au travers de vous, ce n'est pas vous, ce n'est pas un tel. Je veux voir Jésus-Christ crucifié. I don't want to see your personality, you as an individual. I want to see Christ and Christ crucified. Je veux voir des hommes et des femmes qui ont accepté de passer par la croix de Jésus. I want to see men and women who have chosen the straight and narrow path. Paul dit, je veux voir des hommes et des femmes qui ont accepté de passer par ce chemin tilbo. I want to see men and women who have accepted that path that leads through tribulation. Des hommes et des femmes qui ont compris qu'il y a un prix à payer. Men and women who have understood that there is a price to pay. Et voilà pourquoi le Seigneur a besoin de faire des outres neuves. This is why, brothers and sisters, the Lord needs to make us new wineskins. Et voilà pourquoi le message de ce matin, c'est les nouvelles outres. That's why the message today is be a new wineskin. Nouvelles outres que nous sommes individuellement. And we say this individually. Mais nouvelles outres que nous sommes en tant qu'église. But also new wineskins as a church family. Parce que nous sommes l'église. Because we are the church. Mais vous savez, pour faire des nouvelles outres. But you know what? To make a new wineskin. Vous savez, nous avons dit tout à l'heure, on a chanté le vin nouveau. We were singing that song, Make Us New Wine. N'est-il pas merveilleux ce chant, vin nouveau? It's a powerful song, right? Wow, libère le vin nouveau, beautiful. Seigneur. Wow, libère la gloire de Dieu. Yeah. Libère la puissance de Dieu. Felt the glory of God, libère the power of God. Dieu. Tout le monde, on veut vivre l'onction de Dieu. You on veut vivre la puissance de Dieu. On veut vivre les révélations presence, de Dieu. The revelation.
Mais on n'est pas prêt à passer par Tilbo. But you know what? We're not ready to go on the straight and narrow. On n'est pas prêt à passer par le chemin Tilbo. We're not ready to become new wineskins. On n'est pas prêt à lâcher certaines choses. We're not ready to give up certain. On n'est pas prêt à pardonner quand on nous a marché sur le pied. We're not even ready to forgive the person who walks on on our feet. On chante, oui, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. We're all singing, hallelujah, glory to God. Et dès qu'on te marche sur le pied. Somebody walks on your toe, steps on your toe. Ah, t'as un problème. And all of a sudden the anger comes up. What? You have a problem with me or what? T'as un problème. Oh, gloire de Dieu, ah, t'as un problème. Glory to God, you got a problem with me. Et tout ça en quelques secondes. Et on just est le même être, hein, on est le même individu, on est la même personne. Hein. It's the same schizophrène. Person. Almost schizophrenic, two different reactions. De belles façades. A very nice front. Mes frères et sœurs, vous savez, Samuel a dit dimanche dernier, Dieu veut, il va commencer à sélectionner l'authentique. As Samuel said last Sunday, God is looking for what's authentic. Frères et sœurs, dans les temps que nous vivons, especially in these days, on ne peut plus se permettre d'être hypocrite, approximatif ou à peu près avec le Seigneur. We can no longer be hypocritical or mediocre. On ne peut plus se permettre d'être, de paraître ce que nous ne sommes pas. We can no longer allow ourselves to. Parce que la réalité, c'est qu'on pourra tromper les hommes, mais pas Dieu. God is looking for authentic men and women. C'est le temps de l'authenticité. It is time for authenticity. C'est le temps d'être vrai. It's a time to be real. C'est le temps d'accepter de passer par ce fameux chemin. It's a time to walk on the straight and narrow path. Mais dans ce chant, avant le beau refrain, il est dit, j'abandonne mes propres voies. But did you notice before the chorus in that song, the words specifically said, I'm giving my own way. Quelque part, il est question dans ce chant d'abord du don de soi-même, du sacrifice de soi. The song is talking about making your life a sacrifice, giving yourself. Et seulement après, and it's only after that, le vin nouveau, that the new wine is poured out. Frères et sœurs, avec le Seigneur, il y a toujours de l'espoir. Amen. Brothers and sisters, with the Lord our God, there's always hope. Dieu nous corrige. Amen. God is correcting us. Mais Dieu tend la main également de la restauration. But at the same time, he's reaching out his hand to restore Dieu hope. Dieu corrige. He's correcting with one hand. Il a également hand, la main de la consolation. But then he stretches out his hand to il a également lift la main us up de la restauration. To raise us up. Il a également la main de la solution. He's going to give us a solution. Il a également la main pour aller plus loin. He's going to take us further. Parce qu'il est notre Dieu, notre Père. Because he is our God and our Father. On parle souvent de ces nouvelles outres. You know, sometimes we speak very often of these new wineskins. Nouvelles outres pour un vin nouveau. New wineskins for the new wine. Parlons de ces nouvelles outres. All right, let's talk about that. Vous allez avoir une révélation de la relation qui est entre l'outre et la croix de Jésus. You're going to have a revelation today that a new wineskin only is created when you go through the cross of Jesus. Vous savez, l'outre a ceci de particulier que l'outre, elle est comment? Elle est faite en peau de bête. A wineskin is made from the skin of an animal. L'outre n'est pas une gourde. It's not like a plastic bottle. L'outre n'est pas du tout une bouteille. L'outre, elle est malléable. A wineskin is something that is flexible. L'outre est souple. It's supple, soft. Mais l'outre, tant qu'elle n'est pas remplie d'un liquide, elle ne sert à rien. But as long as the wineskin is not filled with the liquid, it doesn't serve any purpose. Parce que l'outre, comme elle est souple, quand vous la prenez, s'il n'y a rien dedans, en fait, elle ne sert à rien. When a new wineskin, even if it's supple, has no wine in it, it serves no purpose. Elle commence à être utile, effectivement, quand on lui met, par exemple, du vin, de l'eau, et à ce moment-là, elle commence à servir. It only becomes purposeful when it's filled with a liquid. L'outre ne prend sa forme que quand elle est remplie. The wineskin takes the shape it's supposed to have when it's filled with a liquid. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que quand on met le liquide dans l'outre, le liquide s'évapore et se disperse et se perd. But the problem is, if the wineskin is not supple, the liquid that is poured in will leak out. Donc cette outre qui est faite en peau de bête, il faut la coudre pour la fermer. So you have to take the skin and you have to sew the edges really tight so that it will contain the liquid. C'est de la peau de bête cousue. In other words, a wineskin is the skin of an animal that has been sewn. Mais après que vous l'avez cousu, ça suffit pas parce que au niveau des coutures, il faut maintenant boucher tout ça par de la poix. Then after it's been sewn, you need to make sure that all of the holes have been repaired. Donc il y a tout un travail qu'il faut faire au préalable avec l'outre avant qu'elle puisse recevoir son liquide. It's a huge work to make a new wineskin so that it will contain the liquid that is poured in. Frères et sœurs, les choix des mots
par notre Seigneur ne sont jamais vains, n'est jamais vain. Brothers and sisters, the words that the Lord Jesus chooses are never in vain. C'est pas le Seigneur qui savait pas quoi dire. Il sait exactement ce qu'il veut dire de manière très précise. The Lord never knows how to try to figure out what to say. He always knows exactly what to say. Imaginez maintenant cette outre. Imaginez qu'elle puisse ressentir les émotions, la douleur et la souffrance. Now imagine, imaginez un instant. The new wineskin. Imagine that it feels pain and suffering and it feels emotions. D'après vous, que dirait cette outre quand elle entend cette épine ou cette aiguille qui est en train de passer par-dessus d'elle comme ça pour la coudre pour qu'elle devienne efficace? In your opinion, what would that wineskin say when it feels the needle going in, trying to sew the seams? Aïe, that hurts. C'est bon. Okay, that's enough. You've been sewing long enough. Chaque passage est douloureux. You know, every time the needle makes one stitch, ouch, it hurts. Chaque fois qu'il faut coudre, c'est every time you sew the wineskin, it's a painful process. Ça vous rappelle pas la croix? Doesn't that remind you of the cross? Celui qui veut suivre le Seigneur, il doit décider de renoncer à lui-même, de porter sa croix chaque jour et après de suivre le Seigneur. The one who wants to follow Jesus needs to renounce himself, lay down his life, deny himself, take up his cross to follow Jesus. Il faut quelque part que cette outre accepte de passer par ce chemin tilbo. In other words, the wineskin has to go through the narrow path of tribulation. Là où on est en train de la coudre pour qu'en fin de compte, c'est douloureux. Mais la réalité, c'est que quand on aura fini de la coudre et qu'on aura bouché les coutures, qu'en fait, elle va devenir vraiment utile. That stitching, that sewing may be painful for a time, but at the end of the process, it'll be a new wineskin ready to contain the liquid. Parce que quand l'œuvre sera achevée, là maintenant, on va pouvoir verser le vin nouveau. When the work of God has been accomplished, that's when you can pour in the new et là, wine. Elle va pouvoir le libérer. And be able to share that wine with humanity. Mais le chemin n'est-il pas douloureux? But you know, the way to get there is often painful. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Is it an easy thing to do? No. Voilà pourquoi Dieu utilise l'outre. That's why God wants to use a new wineskin. Et voilà pourquoi c'est si douloureux parfois. And that's why a new wineskin, becoming a new wineskin is painful. Voilà pourquoi nous sommes challengés les uns les autres. That's why we're challenged. You and I are challenged. Mais Dieu poursuit un but. But God has a goal in mind. Allons-nous accepter que le Seigneur nous challenge en passant par Tilbo? Are we ready to accept the challenge when God calls us to walk on a straight and narrow path? Allons-nous accepter cette œuvre de transformation que Dieu veut opérer en nous pour que nous puissions véritablement vivre la vie de Christ? Are we ready to be transformed by the power of God so that we can fully experience the life of Christ? Allons-nous accepter en tant qu'Église et individuellement que l'on accepte de passer par ce chemin resserré? Are we ready as individuals and as a church family to accept the straight and narrow path? Allons-nous accepter que le travail chez l'un et l'autre est progressif et que nous ne sommes pas tous au même niveau de transformation? Are we ready to walk with one another even though we're not all at the same level, but willing to go through transformation? Ce qui vous paraît évident pour vous ne l'est pas forcément pour ton frère ou ta sœur. You know, something that might appear obvious to you is not necessarily obvious to your brother or sister. Mais vous savez, pour changer, but to be changed, il faut le vouloir. You have to have a desire. Je répète, pour changer, to be changed, il faut le vouloir. You need to have the desire. Je dis bien pour changer, to be changed, il faut le vouloir. You have to have a desire in your heart. Le week-end dernier, j'avais vu une personne qui est dans la salle, mais je vais pas la désigner. I saw someone in the room. I'm not going to name them. On a vu un super moment ensemble dans la parole de Dieu. I spent time with that person. We had a wonderful time in the Word of God. Voilà, c'était un frère qui veut grandir dans la foi et dans la connaissance des Écritures. He was a brother who was really hungry to grow in the things of God. Et je lui disais, tu sais, il y a pas un bouton sur nous où Dieu va appuyer sur un bouton lecture Bible et puis toi tu es là. And I said to this brother, we don't have a button that God can press and say, now it's time to read your Bible, and you open your Bible. Deuxième bouton, prière. Another button, time to pray. Okay. Pardon. Third button, time to forgive. Okay, I forgive you.
It's not how it Louange. Works. Now it's time to praise. Okay, I praise you. Nous, quand on crée des machines, on veut toujours qu'elles obéissent à l'œil. You know, when we have our little machines and our gadgets, we want to push a button and we want it to be instant. Change de chaîne tout de suite. Okay, change the channel. Change de chaîne tout de suite. Change music. Démarre tout de suite la voiture. Start my car. Dieu, frères et sœurs, nous a laissés libres. God has given us a free will. Comprenez cette vérité. So Dieu you need to understand nous that a restés libres. God libres. Gave you a free will. Et je lui ai dit, tu sais, tu peux passer tout le reste de ta vie si tu décides, si tu dis, par exemple, je ne veux pas lire la parole. You know, I told this brother, you can spend the rest of your life saying, I don't really want to read the Word of God. Et si pendant toute ta vie, tu ne décides pas à un moment donné de dire, je veux lire la parole. And if you don't change your mind and get to the point where you say to God, I want to read your Word. On pourra prier, mais si toi, à un moment donné, tu ne décides pas de lire la parole. We can pray for you all we want, but if you don't decide to open your Bible and read it, eh ben, toute ta vie, tu ne liras pas la parole. You know, you won't read the Bible. That's your will. Has Parce to que be Dieu va respecter ta liberté de choix. God always respects your choices. Si tu décides pas de pardonner ton frère ou ta sœur, in the same way, if you don't decide to forgive Dieu your le fera brother, pas à ta place. Sister, God can't do it for you. Et tu peux passer des années à avoir un cœur qui est rempli d'amertume, attendant que Dieu fasse quelque chose. Dieu ne fera rien. And you can walk for years and years, your heart filled with bitterness, waiting for God to do something, and He's waiting for you to Dieu do it. Dieu attendra que tu prennes la décision. Je décide de pardonner. God wants you to make the choice, to make the decisions. I will forgive. Quand le Seigneur a décidé de quitter sa gloire pour venir sur la terre, pour te pardonner toi, pour me pardonner tous mes péchés, il a fait un choix. When Jesus left heaven and came to earth and decided to forgive you and me for our sins, he made a choice to do so. Il aurait pu faire un choix contraire. Il pouvait rester dans la gloire céleste qui était beaucoup plus confortable. He could have remained in that heavenly place of glory and be comfortable, but no. Mais il a fait le choix qui rend inconfortable. And he renounced that to come to this place of discomfort. Il y a des choix et des décisions dans la vie qui nous mettent dans une situation inconfortable. And in the same way, we have choices to make that'll bring us to the place of discomfort. C'est le chemin étroit-il beau de la vie. I'm talking about that straight and narrow path. Mais c'est le seul chemin par lequel Dieu peut répandre le vin nouveau. But that's the only path where God can pour out the new wine. C'est le seul chemin par lequel nous serons réellement transformés. Path to where we will be truly transformed. C'est le seul chemin qui peut nous permettre de conserver l'unité. And that is the only path to take if we want to preserve unity. Si on ne décide pas individuellement de passer par ce chemin qu'il beau. If we do not decide individually to walk on that straight and narrow path. Si on n'accepte pas ce travail de cette aiguille qui passe dans cette outre et qui est douloureuse, mais pour qu'elle soit efficace à la fin. If we do not accept this painful work of every stitch sewing our wineskin that will make us a new wineskin. En résumé, si nous ne mourons pas, nous ne décidons pas de mourir à nous-mêmes. In other words, if we don't deny ourselves and die to ourselves. Nous allons nous déchirer les uns les autres. We're going to end up tearing each other apart. Nous allons nous critiquer les uns les autres. We're going to end up criticizing each other. Nous allons avoir de l'amertume les uns pour les autres. We're going to end up having bitterness towards each other. Et pendant cela, Satan n'a même pas besoin de sortir son artillerie lourde. If that's the case, Satan doesn't even need his artillery. Il va simplement observer. He's just going to watch it happen. Continuez les amis. Go ahead. Yeah, that cool. Suits me. C'est cool. That's cool. Encore. That works. Do it again. De temps en temps, il envoie deux petits, les petits caporaux, démons. Allez-y, ajoutez un peu du sel, là, du piment. He doesn't even have to do anything. He just says, Mais il n'a pas besoin d'en faire tellement plus. Nothing to say, nothing to do. He's just watching us tear each other apart. Frères et sœurs, Brothers il and est sisters, temps pour nous. Est-ce qu'on peut se lever? Il est temps pour nous. Levons-nous. Let's stand up together. It's time for us. D'accepter véritablement le chemin de la transformation. Each and every one of us to accept the way of transformation. De la transformation individuelle et collective. It starts individually and it applies corporately. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Let's raise our hands before the Lord. Mais nous devons décider. First thing we need to do is decide. Quand vous souffrez dans votre cœur et parce que vous souffrez à juste titre. When you're suffering in your heart, even rightfully so,
Si vous ne décidez pas de pardonner et d'aimer, if you don't choose to forgive and to love, cette amertume deviendra pour vous une occasion de chute et destructrice. That bitterness will become a trap and will cause for you to fall. Ne regardez ni à gauche ni à droite, mais considérez simplement votre destinée. Don't look to your left or to your right. Just look at your own destiny today. Parce que la réalité, c'est que Satan veut vous mettre un voile sur les yeux pour vous empêcher d'entrer dans votre destinée. You know, in reality, Satan is trying to place a veil in front of your eyes to keep you from entering your destiny. Blessé à juste titre ou pas, pardonnez. Whether you have been hurt, you're suffering rightfully or not, it is time to forgive. Continuez à aimer. And continue to love. Continuez à aimer. Continue to love. Ne vous lassez pas d'aimer. Don't give up loving each other. Tout l'évangile se résume à l'amour. The entire gospel can be summarized in one word. Tout l'évangile se résume en un grand Dieu qui a décidé de quitter sa gloire pour venir mourir pour l'humanité. The very essence of Jesus who left his glory to die on the cross is love. Parce qu'il avait une seule motivation, l'amour. The only motivation in his heart was love. L'amour. Love. L'amour. Love. L'amour, frères et sœurs. I'm talking about love. Si vous êtes dans l'amour. If you are walking in si love. Si vous êtes dans l'amour. If you're walking in love. Je dis si vous êtes dans l'amour. If you're in love. Dieu sera toujours de votre côté. God will always be on your side. Dieu sera toujours de votre côté. God will always be with you. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Let's raise our hands in His holy presence and close our eyes, even you at home. Un doux murmure, le chant de tout à l'heure, un doux murmure, enfin nouveau. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? We'll bow our heads before the Lord. Je crois que nous avons besoin d'une repentance, frères et sœurs. It is time for repentance, brothers and sisters. Vous savez, peu importe ce qu'on a pu faire. No matter what. Anybody has done to you. Aucun d'entre nous est parfait. None of us is perfect. Et même ceux, parfois, ceux que nous critiquons, en disant, mais comment as-tu pu faire ainsi? Est-ce que nous aurions fait mieux? And sometimes when we criticize someone else, you have to ask yourself, could I have done differently? Parce que la réalité, c'est qu'un jour, nous aussi, nous serons des maçons. You know, one day, we ourselves will be. Et il faudra que nous montrons également comment nous savons construire un mur. We will learn how to be masons and learn how to build a wall. Donc nous avons intérêt à aimer et à pardonner. So we need to learn now how to love one another. Nous aimer et nous pardonner les uns les autres. Love one another and forgive one another. Paul a dit, en toute chose, je veux éviter de donner l'avantage à Satan. Paul said this, in everything I do, I want to avoid giving Satan any ammunition. Alors dans notre cœur, ce matin, vraiment dans un, avec Dieu, inclinez nos têtes, s'il y a quoi que ce soit dans vos cœurs, frères, s'il y a quoi que ce soit. Let's bow our hearts before the Lord, and if there's anything there, whatever it is. Repentons-nous devant le Seigneur, chacun pour sa part. Before the Lord. Vous savez, quand Pierre a prêché cette parole tellement remplie d'onction après la Pentecôte. You know, when Peter preached that anointed message from heaven after the day of Pentecost. Les cœurs de l'auditoire étaient tellement vivement touchés qu'ils ont dit, que ferons-nous? The hearts of the people listening were so touched, so moved, they all cried out, what shall we do? Pierre a dit, repentez-vous. And Peter's answer was this, repent. Il a dit d'autres choses, mais il a d'abord dit, repentez-vous. Après, repent. Soyez baptisés, mais repentez-vous. Repent. Inclinons nos têtes. So let's bow our heads now. Le Seigneur est miséricordieux. Because the Lord is merciful. Comme j'ai dit, le Seigneur reprend, mais il corrige, mais il est également celui qui apporte le chemin, la solution pour la restauration. Not only is the Lord correcting his people, but he's also showing us the way of restoration. Et même si la correction est parfois douloureuse, comme il dit, and even if the correction seems painful, as the word of God says, à la fin says, est produit un fruit de justice. The result will be the fruit of righteousness. Un fruit paisible de justice. The peaceful fruit of righteousness. Je voudrais vraiment que là on prenne juste chacun un moment pour vraiment just dire, take Seigneur, a minute now. Je veux vraiment t'ouvrir mon cœur. And open your heart. Tell the Lord, I'm opening my heart before you. Si nous voulons vraiment, frères et sœurs, un jour voir, chacun veut voir la gloire de Dieu. If each of us wants to see the glory of God. Si on veut voir des choses extraordinaires du Seigneur. If we want to see extraordinary things happen, il faut accepter que l'outre soit préparé par le Seigneur. It is time to accept the fact that God is creating a new wineskin of your l'outre life. Nouvelle. A new wineskin. Vous avez vu l'image de l'outre. Now you see what we're talking about when we say wineskin. Même quand on a fini de coudre.
Even when we're finished sewing the seams, pour que le liquide ne se répande pas, so that the liquid doesn't leak il faut out, aussi mettre de la poids au niveau des coutures. You need to add the weight to seal the stitches. Donc il y a tout un travail que Dieu veut faire. That whole work is something God wants to do in your life. Il faut simplement dire Seigneur, me voici. So all we have to respond is, here I am, Lord. Je ne veux pas rater le rendez-vous divin de ma destinée. I do not want to miss my divine appointment with you. Ni individuel ni collective. Neither as an individual nor corporately. Avec vos propres mots, parlez so au Seigneur. Pray now in your own Après, words. Je ferai une prière finale, mais avec vos propres mots. Parlez au Seigneur qu'aujourd'hui, en sortant de cette salle, chaque cœur soit totalement Let your libéré. Heart speak to the Lord and be set free today before you leave this room. Seigneur, merci pour ta grâce. Thank you, Jesus. Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Lord, I come to you just as I am. Et je te demande pardon, Seigneur. I ask for your forgiveness. Pour tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Everything in my life that doesn't glorify your name. Dans ma vie. Toute ténèbre qui est au fond de mon cœur. Every trace of darkness in the depth of my heart. Toute amertume, toute animosité, toute rancune, toute vanité. Seigneur, tout péché, tout ce qui n'est pas ta gloire dans ma vie. Aujourd'hui, je te demande pardon et je décide de me séparer de ces choses. I ask for your forgiveness and I choose to separate myself. Seigneur, je veux être ce sacrifice saint entre tes mains. I want to be a holy sacrifice on your altar. Car je veux être cette outre nouvelle. I want to be a new wineskin for you. Au travers duquel tu fais couler le vin nouveau. Into which you can pour out new wine from heaven. Parle à Dieu. Parle au Seigneur. Just let your heart speak to Jesus. Parle au Seigneur. Le Seigneur veut briser les jougs. The Lord is moving in these days. Le Seigneur veut briser les liens. He wants to break the chains and break the yokes. Briser les oppressions. Break every trace of oppression. Soyez libérés dans votre âme. Be free now in your soul. Soyez libérés dans votre âme. Be free in your soul. Restauré. Be restored. Guéri. Be healed. Il s'agit de votre destinée. Because we're talking about your destiny, Il brothers and sisters. Il s'agit de votre destinée. Your destiny awaits you. Et nous refusons que le voleur vienne voler ce qui nous appartient. We refuse to let the thief steal what belongs nous to us. Nous le refusons dans le nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Seigneur, merci pour ta grâce. Thank you, Father. Seigneur, merci pour ta grâce. Thank you for your grace. Merci pour ta grâce. Thank you for this amazing grace. Merci Jésus. Thank you so much. Merci Jésus. Merci Jésus. Recevez la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu qui visite les cœurs et les âmes de chacun maintenant. Here in the presence of the Lord, I see the Holy Spirit visiting every individual heart. Sa présence est là, il est libéré en nous, au milieu de nous. He's moving in our midst. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Merci pour ta présence. Thank you for your presence. Merci pour ta présence. Your wonderful presence. Merci de ce que tu passes dans le cœur de chacun. You are visiting the heart of every single person now. At home as well. Tu passes dans le cœur de chacun. Speak. Tu passes dans le cœur de chacun. Speak. Tu passes dans le cœur de chacun. And touch the heart of every person. Dans le cœur. Merci Jésus.